Bon, l'entretien s'est bien terminé. Ah, j'ai fini en garde à vue. En cellule même, hein, en cellule. Oh, c'était froid, c'était glauque, il y avait des têtes, franchement, vraiment, je sais pas s'il y en a qui ont déjà été en cellule, mais des têtes de fous, hein, vraiment des têtes, un peu comme ce soir d'ailleurs, hein, finalement. Mais moi, je voulais pas leur montrer que j'avais peur, hein, je voulais pas leur montrer, donc j'ai joué un peu le voyou, quoi. Oh, habillé comme ça, c'est pas trop passé, quoi. Plus, il y avait une dame, alors bon, quand même, gentleman, hein, bonsoir madame. Non, non, déjà, c'est pas madame, c'est mademoiselle, hein? Puis, c'est pas les vendanges, non? Bon, ben, tu me lâches la grappe, hein? Non, non, je les connais, moi, les vicieux dans ton genre, hein? Ils commencent par discuter, et de suite après, ils en veulent plus, C'est ça, hein? Hein, c'est ça, hein? Dis que c'est ça, hein? C'est ça, hein? Hein? Non? Comment ça, non? Je suis pas assez bien pour toi, peut-être? Hein? C'est toujours la même chose avec vous, hein? Je suis pas n'importe qui, hein, moi. Moi, je suis une fille sensible, moi, je suis une romantique, putain de bordel de merde. Tu te calmes, tu sais comment je m'appelle, moi? Janine. Oui, ben en verlan, ça fait ninja, alors fais gaffe. Moi, je suis là, ben, en fait, j'avais un entretien dans... un braquage de banque. Et ouais, je suis allé trop loin cette fois, c'est pour ça, ouais, je suis un gros voyou, moi. Et vous êtes là pourquoi, vous? Comment? Pardon? Mais tu me demandes pourquoi moi je suis là, quoi. C'est-à-dire, même moi, j'en sais rien, non? Non, les gars m'ont demandé si j'avais les papiers, hein. J'ai dit non. Oh, la connerie! Non, ils m'ont dit, tu n'as pas les papiers? Tu nous suis, quoi. Mais en arrivant ici, j'ai vu dans les toilettes là. Mais il n'y a pas les papiers non plus, j'ai rien dit moi, comment? Mais toi, tu es pas d'ici, hein? Non, non, j'entends l'accent, c'est pour ça quoi. Comment? Non, c'est vrai, il est léger, mais nous les Parisiens, dès qu'il y a l'accent, on reconnaît ça trop bien, non? Comment? Nîmes, tu viens de Nîmes? Ah, mais je connais parfaitement Nîmes, hein? J'y étais là pendant la fête qui donne mal à la tête là. Fria. Hein, corrida. Corrida, non, je connais pas, non. C'est-à-dire, je suis rentré comme ça, j'ai vu dans la maison de chez Madame la Reine, la grande, quoi. J'ai regardé, j'ai vu arriver le gros chien, là. Il courait, courait, hein. Après, le gars est venu de ce côté, comme ça, hein, avec les vêtements tout serrés, tout brillants. Oh, je rigolais, non. Non, mais les gars étaient comprimés, quoi. C'est on dirait le zombie, non? Il a vu le chien qui était enrhumé, il lui a sorti les mouchoirs rouges. Non, mais le problème, c'est quand le chien avançait, mais le gars reculait le mouchoir, quoi. Ah, il est coquin. Mais je lui ai dit, tu es coquinou, quoi. Après, le gars s'est énervé, il a jeté comme ça, il a pris pour piquer le cure-dent géant, quoi. Il appelait, hein, les chiens s'en foutaient. Ah, ils cherchaient le nonos. Mais les gars, gesticulaient plus fort, hein, il avait le dos plus cambré qu'une banane plantain. Un nouveau colocataire, hein. Bienvenue dans le loft. Tu es pas d'ici, hein, toi non plus. Quoi? Pérou, tu viens du Pérou? Oh, mais si je connais le Pérou, moi, non, c'est dans le sud. Porte d'Orléans, non? Perpignan? Bonjour. Je m'appelle Pellegrino, je viens du Pérou. Hein. Mais j'habite à Paris, hein, pas loin d'ici, là, dans un appartement F1-4. F1-4, c'est un quart d'une pièce. Hein, comme on dit, c'est pas le Pérou. Hein? J'adore l'humour, hein? J'adore l'humour, hein? C'est brutal. Mais j'adore Paris aussi, j'adore. Hein? Moi-même, maintenant, je suis devenu un vrai Parisien. Hein? Ah si, par exemple... Oula, pardon. Non, vrai Parisien. Hein? Par exemple, quelqu'un me demande un renseignement, il envoie chier. Ah, il y en a qui sont allés, on dirait.
Non, vrai parisien, hein, dès qu'il voit le métro, il court derrière. Il ne sait pas pourquoi. Il a bien compris, hein. Il voit le métro, il court. Il appelle ça le syndrome l'air de meurtre. Parce que si tu le rates, tu meurs. Même si tu n'es pas en retard, hein, tu entres le métro, l'homme de Cro-Magnon qui est en toi, il part à la chasse. Ah, le métro! Non, mais arrête tes conneries, il y en a un juste après. Non, c'est celui-là! C'est le mien, il est vous! Là, ça sonne, la porte elle va fermer, il reste au moins 30 mètres, mais tu t'en fous! Ah, tu sautes quand même, hein! Ah! Il est où? Bravo! Bravo! Oh non, merde, la porte, non! Oh non! Oh Dios mio, Santa Maria per San José e San Pellegrino! Pepito! Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Et alors, ben, tu finis par rentrer en te débattant comme une hyène. D'ailleurs, tu sens la hyène, hein, parce que ton déodorant, ça fait longtemps qu'il est parti. Hein. Le train démarre et tu vois sur le panneau à l'extérieur, prochain train, 2 minutes. T'as gagné 10 minutes! Bravo! Mais tu es obligé d'aller vite ici, à Paris, hein? S'il y en a qui ont été, hein? Parce que tout le monde va vite, vite, à Paris, trop vite même. Je suis sûr, même pour Superman, ça va trop vite. J'adore l'humour, hein? J'adore l'humour, c'est pour ça. Et je pense que si ça va trop vite, même pour Superman, c'est pour ça que ça explique ce mystère à Superman, non? Le mystère de Superman. Les mystères... Bon, il avait expliqué, alors? Alors, voilà, la situation, hein, que ça va trop vite pour Superman. Superman, il dort tranquillement chez lui, et tout à coup, il entend un appel au secours. Au secours! C'est pour ça qu'il a le slip par-dessus les pantalons. Non, ben voilà, ben, je suis désolée là, de vous l'annoncer là comme ça, mais moi, je démissionne. Non, c'est pas la peine de faire « reste, Wonder Woman, reste ». Non, c'est fini, voilà. Moi, attends, le coup fourré qui m'a fait l'autre, là, le mec, il vient me voir, hier, il me fait « dites-moi, ma petite Solange, j'organise un cocktail, faites quoi, vous, ce soir ?» J'ai dit ben, « rien, monsieur Batman, pourquoi ?» Il me dit « très bien, si vous faites rien, parce que là, vous irez sauver la planète à ma place, hein, vous comprenez, moi, je peux pas être partout. » Putain, le coup fourré, le mec, il m'a fait, là, je me suis bien fait entuber, hein. Non, mais surtout qu'en plus de mec, t'as vu, il me sort une liste comme ça, truc à faire. Tu sais, j'avais la guerre en Libye, la guerre en Syrie, les émeutes des étudiants canadiens, les émeutes de chiens féroces et tout. Je dis, attendez, monsieur Batman, non, je peux pas faire tout ça en une seule soirée, hein, à moins de remonter le temps. Il faut quelqu'un faire ça. Je me dis, mais je vois pas comment je peux faire. Je me dis, ah, mais tu sais ce que t'as qu'à faire, Solange? T'as qu'à inverser la rotation de la Terre. Oh, le plan galère. Vas-y, 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 oh, parce que je monte sur la banquise, comme ça, cherche l'axe de rotation de la Terre, c'était même pas indiqué. Et là, non, en plus, moi, en mini-short, je me gelais les miches, tu vois, c'est quoi. Alors, après, quand même, j'ai fini par le trouver, t'as vu. Et tu sais, l'axe de rotation de la Terre, je sais pas si ça veut commencer, tu sais, il est genre comme ça, là, il est comme ça. Et la Terre, elle tourne comme ça autour de l'axe de rotation de la Terre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'axe de rotation comme ça, je tourne comme ça, moi, je fais comme ça, oh, comme ça, je force comme ça, là, je force comme ça. Ça, je force et d'un coup, je glisse pas sur un bébé phoque.
Mais non, mais t'as vu, t'as vu comme c'est gras les bébés phoques. T'as vu, c'est gras, un petit peu comme genre des beignets, des donuts, ça glisse, tu vois. Non, et comme ils sont blancs, et ben ton sur ton sur l'année, je te les vois pas. Après, je me suis dit, hey, tu sais quoi là, Solange, arrête ton plan galère là, fais des trucs plus simples, plus. Et au moment où je pense ça, d'un coup, j'entends pas une femme qui crie Wonder Woman, Wonder Woman, viens m'aider, mon mari il est blessé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je cours comme ça là, et là, je vois le mec comme ça là, tout agonisant sur le trottoir. Là. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vois le mec tout agonisant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, une chorégraphie. Wonder Woman. Pas chassé. Hop, les bras. Demi-tour. Comme ça. Et là, la femme elle me dit pas, elle a pouf un short là, quand t'auras fini de faire ta Beyoncé, tu pourras peut-être oublier de mon mari. Excusez-moi madame, là j'ai halluciné là. Je dis, excusez-moi madame, mais c'est normal que je fasse du glamour, hein, je suis Wonder Woman. Hein. Si vous voulez pas de glamour, dans ce cas-là vous appelez les flics ou les pompiers. Hein. Ouais. Non mais c'est plus la femme elle râle, tu sais quoi, son mari, je suis allé voir, il était déjà mort. Je dis franchement, madame, c'est bien la peine de m'appeler pour un mec qui est déjà mort. Hein. Moi, je suis Wonder Woman, il n'y a pas écrit Dieu là non plus. Surtout que la femme, en plus, elle me dit, elle a pouf en short. Genre, moi, ça fait plaisir d'être en short. T'sais. Non, mais déjà, t'as vu déjà comme ça me boudine là. Puis je sais pas, c'est un genre de. Tu sais, c'est un genre d'acrylique. Je sais pas, ça me fait comme des plaques ou quoi là. Ça... Non, mais tu sais, la première fois que je l'ai enfilé, ça m'a fait comme un genre de dème de coin qui met des cuisses. T'sais. Ah, je me suis dit, franchement, je vous le dis, c'est pas avec ça que je vais attraper un homme. Hein. En même temps, je vais dire les hommes, hein, râle diadème. Hein. Ah non, là, c'est bon, là. Moi, c'est pas pour rien que j'élève seul mes gamins. Hein. Attends, parce que vous voir le père des gamins, hein. Pouh, le Spider-Man. Ah, ça pourrait être speed, il a été speed, le mec. Hein. Le mec, il est reparti de ma vie aussi vite que ce qu'il est arrivé, juste le temps de mettre en cloque. Moi, du coup, je me retrouve avec 5 mioches, là, contre 8 paires de pattes. Non, ça me coûte une fortune en basket. Ah, c'est pour ça maintenant je dis, c'est bon, tu vas voir. Moi je démissionne, maintenant tu vas voir les mecs comme ils voient bien en galère, là maintenant qu'il n'y aura plus la Wonder Woman, hein, tous là, ah, il n'y aura plus personne. Hein. Là je vais te dire les Spider-Man, les Iron Man, les Batman, tout, il n'y aura rien. Ah, excusez-moi. Ouais, Al. Ouais. Eh non, je peux pas aller. Eh non, mais c'est bon, la fête sort. Eh bien, je suis en pleine communication. Franchement, faites chier là. Hein. Bon, désolé, je dois encore sauver la planète. Hein. Mais ça soit clair, hein, c'est la dernière fois que je m'y colle. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de me faire des films, je suis sortie du cinéma. C'est tout. Je suis entrée dans la vraie vie, et c'est là que j'ai rencontré mon prince. Ouais, Robert, j'ai un prince. Hein. J'ai pécho ! Ouais ! Non, n'applaudissez pas, c'est vexant. Ouais, c'est bien, Nadia, avec ta gueule, c'était pas gagné. On est content, dis donc. C'est une copine de Charlotte, ça. Non, en plus, je suis super contente parce qu'avec mon prince, on est maintenant dans cette étape dans notre couple où la communication passe super bien. Vous connaissez cette étape? Vous vous souvenez de cette étape? Remember. Non, souvenez-vous de cette étape où tout est simple, où... J'ai un peu l'impression d'être une princesse, quoi. C'est ça, avec lui, je suis un peu comme Blanche-Neige. C'est ça, Blanche-Neige, avec la jolie robe. Ouh. Avec le serre-tête. Ting. Et avec le... Ouais, je le fais vachement bien, je sais. Ouais, sauf que Blanche-Neige, quand elle a un petit coup de pompe, elle fait juste... Les oiseaux. Non, pas les nains, c'est pas dans cette version. Bravo, c'est la même que tout à l'heure. Bravo, cochonne, va. Non, pas les nains, il y a les oiseaux. Les lapins, les biches, les écureuils qui viennent lui donner un coup de main. C'est bien foutu, hein. Parce que moi, quand j'ai un petit coup de pompe à la maison, ça donne plutôt... Ah. Et oui, chose du 46 Shrek, quand même. Ah, oh, dis donc. En parlant de cinéma, c'est drôle. Il m'a fait un film de Besson. Vous l'avez ou pas? Bon, c'est facile, Le Grand Bleu. Oui, mais la version Blu-ray. Ne m'encouragez pas. Je suis pas sûre de la garder, celle-là. Alors, est-ce qu'on a bien tous en tête le film de Blanche-Neige? On s'en souvient? La version Disney?
Oui, parce que c'est là qu'on voit que Blanche-Neige, elle a tout compris. C'est vrai, c'est une fille organisée. Elle fait des équipes. Souvenez-vous, la meuf va voir les petits oiseaux parce qu'elle arrive à communiquer avec les oiseaux. Ok. Donc elle va les voir comme ça et elle leur fait. Et vous, vous ferez la vaisselle. Robert, t'as déjà vu un petit oiseau faire la vaisselle? J'imagine. Passe-moi l'éponge. Passe-moi l'éponge. Bon, c'est-à-dire, on a fait une bouffe hier soir avec les mésanges. Il y en a partout. Hein. Tu aimes ça faire la vaisselle? Parce que moi, non. Moi, non. Oh, c'est une blague de mésanges belges. Alors Blanche-Neige, ça ne la dérange pas, hein, les jeux de mots pourris. Elle continue, elle va voir les petits lapins et elle leur fait « Vous, vous rangerez la pièce et moi, je prends le balai. » Elle est contente, vraiment. Et puis, hop, hop, tout le monde se met au boulot. « Oh, merci les animaux. Oh, » C'est nickel. Bah, attends, Blanche-Neige, attends, c'est parfait, comment t'as fait? J'ai tout aspiré. Bon, réveillez-vous. La meuf s'appelle Blanche-Neige, hello! Elle communique avec les animaux. Bien sûr, oui. Arrêtez, ça se sait chez Disney. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Non, pas la drogue. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est un festival, merci. Non! Mais moi aussi, j'ai un animal à la maison, je vais essayer de faire comme elle, hein. Ah! Ouais, c'est un si bémol, Charlotte, entraîne-toi, on l'a pas du premier coup. Bon, ben j'y vais. Psh, psh. Passe-moi. Toi, tu feras la vaisselle. Comprends pas. C'est trop mignon, il leur manque que la parole. Éteins le match, chérie, je te parle. Parce que je disais, toi, tu feras la vaisselle. La quoi? Ok, t'inquiète pas, mon amour. Blanche-Neige va t'expliquer. La 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 la, mon chéri, dans cette belle maison, il y a d'autres pièces que le salon. Si tu veux bouger un peu, viens voir un lieu mystérieux. Allez, viens, toi et moi, nous partons découvrir l'éponge et le savon. Les fourchettes et les couteaux t'attendent dans le lavabo. Oh, oui, lave-nous. Oh, lave-nous. Oh, Robert, on est toutes sales. Pardon, c'est la fourchette impatiente. Merci. Oh, je ne fais que mon travail, arrêtez. Bien plus simple que ton ordinateur, je te présente l'aspirateur. Une seule fonction, vois-tu? Aspirer tes poils de... Dis bonjour à la jolie poubelle. Tu le vois, elle non plus n'a pas d'aile. Elle ne peut donc pas descendre sans ton aide, toi comprends. Toi comprends. Elle comprend pas. Toi comprends. Toi pas comprendre? Bon, ben, je vais t'expliquer autrement. Un petit slam t'aidera sûrement. Toi, tu crois que le partage des tâches, c'est toi qui tâches, moi qui nettoie. Tu prends le balai une fois par mois. Essaye sur le sol plutôt que sur moi. Le fer à repasser, c'est pour les plis de tes chemises, pas pour mes rides. Et sur ma joue, une fois pour voir, dépose une bise et pas de l'acide. Tous les 3 jours, une princesse meurt, victime de son prince charmant.
Ça fait 120 blanches-neiges par an qui deviennent belles au bois dormant. Alors, toi comprendre ? Bonsoir. Alors on sait ce que vous vous dites là, hein. Ouais. Mon Dieu, qu'ils sont beaux. Non, peut-être que... Ah, je sais ce que vous vous dites, peut-être. Il y a un air de famille. Ah, il y a un truc. Il y a quelque chose. Alors vous inquiétez pas, Nantes, on n'est pas du tout du genre à feinter notre public. Non. C'est pas notre genre. Alors on va tout de suite, avant de commencer, oui, vous donner un petit cadeau. On va vous donner le moyen de nous différencier sur scène. Voilà. Comme ça, ce sera fait. On le fait parce qu'on adore le public de Nantes. Oui. Voilà. Hein, on le dit à tous les publics, mais à Nantes, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Alors, sur scène, Steven sera toujours côté jardin. Voilà. C'est-à-dire que quand vous regardez la scène, il sera toujours à votre gauche. Ou alors, à ma droite. Voilà. Voilà. Et Christopher, sur scène, sera toujours côté cour. Hein, c'est-à-dire que quand vous regardez la scène, il sera toujours à votre droite. Ou alors, à ma gauche. Voilà. Alors maintenant que ça c'est clair, Nantes, on va commencer la prestation. Allez. On va commencer. Quoi? Ça vous a perturbé le changement de côté? Vous, mademoiselle, ça vous a perturbé un petit peu ce début? Ah oui. Si. Comment vous vous appelez? Sylviane. Sylviane? Oh. Une cougar, Steven? Oui. Elle est mignonne, Sylviane. Oui. On reviendra sur toi, Sylviane. Hein. Oui, oui. Façon de parler, évidemment. Évidemment. On reprend notre place. Alors. En tout cas, on a envie de savoir à Nantes, qu'est-ce qui vous plaît comme type d'humour ce soir? Voilà. C'est facile pour le savoir. On va tester sur vous, hein, différents styles d'humour. Voilà. Tout de suite. Et en fonction de vos réactions, de vos rires. C'est ça qui est chiant quand t'es à deux, c'est que tu sais jamais ce qu'il fait à côté, c'est chiant. De vos applaudissements. On adaptera notre prestation, puisque vous allez le voir après, tout est improvisation, bien évidemment. On va commencer tout de suite par un humour qui nous plaît beaucoup, mais qui pose beaucoup de débats, vous allez comprendre pourquoi. Oui. C'est l'humour noir. Alors, est-ce que vous aimez l'humour noir à Nantes? Oui. On va vérifier ça tout de suite. Testons l'humour noir ce soir à Nantes. Alors, c'est l'histoire d'Adolf Hitler. Oui, j'aime bien celle-là, oui. Qui, par un joli dimanche ensoleillé, va faire un petit tour du côté des camps d'Auschwitz pour dire bonjour aux petits-enfants. Bonjour, jeune fille. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sarah. Sarah, c'est joli, ça, Sarah. Et quel âge tu as, Sarah? J'ai 6 ans. 6 ans? Ah! Et c'est ce homme qui est facile, comment s'appelle-t-il? Je m'appelle Samuel. Samuel, c'est joli, ça, Samuel! Quel âge tu as, Samuel? J'ai 11 ans. 11 ans? Ah! Et cette petite princesse qu'est folle, comment s'appelle-t-elle? Je m'appelle Anna! 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 C'est joli, ça, Anna! Et quel âge tu as, Anna? J'ai 8 ans dans 2 jours! Ah! Tu es optimiste, Anna! Ah, vous validez? On valide, hein? Génial! On valide l'humour noir. On valide. Alors vous inquiétez pas, après ce sera un petit peu plus léger quand même. Oui. Hein, vous allez voir. Oui. Il y aura notamment un petit peu d'humour absurde. Alors oui. L'humour absurde, par exemple, c'est deux petites vieilles qui se rencontrent le dimanche matin sur la place du village, comme ça. Ginette! Bonjour, Marcel! Comment que tu vas? Bah, ça va pas bien fort, hein! Ah bon? Bah, non! Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai perdu mon mari! Oh merde! Tu l'as perdu où? Non, ce que je veux te dire, c'est qu'il est parti! Ah quoi. Bon, oui, d'accord, oui! Il est parti où? Non, ce que je veux te dire, c'est qu'il est mort, il est décédé! Ah bon, d'accord! Oui. Il est mort! Bah, oh oui. Mon Dieu, il est mort! Bah, ah oui. Oui! Mais ça va mieux depuis, son ermite, ça va! C'est pas ça que tu comprends pas ce que je te dis. Hein? Parce qu'il est décédé. On va l'enterrer après-demain. Il a fait un arrêt cardio-ventilatoire.
Ah, il est mort comme oui. ça, d'accord. Ah. Oh mon Dieu, je n'avais pas compris. Oui. Bon, enfin, raconte-moi, enfin. Bon, je te raconte. Ah oui, allez. Bon. Ça s'est passé avant-hier soir. Oui. J'étais en train de préparer le souper. Oui. Je faisais un potage. Oui. Et je dis à René. Oui. Oh. Tu vas dans le jardin. Oui. Et tu vas me chercher des poireaux et des tomates. Oui. Pour faire le potage. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, René? Bah alors. Bah, il va dans le jardin. Bah alors. Il va me chercher des poireaux et des tomates. Bah alors. Pour faire le potage. Bah alors. Et là, qu'est-ce que je vois, René? Il tombe comme une merde. Oh. Bah qu'est-ce que t'as fait alors? Ben j'ai appelé les pompiers. Ouais. Les pompiers sont arrivés. Ouais. Ils ont essayé de le réanimer, mon René, avec leurs engins, leurs machines, tout ça. Ouais. Ils n'ont rien pu faire. Bah qu'est-ce que t'as fait alors? Des nouilles. Voilà. Voilà, alors. On valide. Ouais. Bien. Super. On valide, nickel. Alors, vu que vous êtes bien chaud, on va tester un humour bien pourri. Oui. C'est l'humour jeu de mots, tu vois. Accroche-toi bien. Alors, c'est la même histoire, mais c'est deux petits vieux, tu vois. Voilà. Qui ressemblent vachement aux vieilles, quand même. Oui, t'as vu. Salut Gaston. Salut Maurice. Comment que tu vas? Ben écoute, ça va. Oui. Écoute, je sors de chez le médecin. Oui. J'ai fait mon ketchup. Check-up. Oui, ça s'est bien passé. Écoute. Alors, bah ça oui. va? Bah oui, écoute, il m'a comparé à l'Europe, donc... Ah bon? Hein? À l'Asie, peut-être? L'Asie. Non, il m'a comparé à l'Amérique. L'Amérique. Ah, à l'Australie. Ah, il t'a dit que t'étais un continent. Voilà. Et c'est ça.